Bon, rebonjour à tous. Alors, je vous dis ça parce que je viens de tourner une vidéo où je vous présentais la Nuo Box. Donc, c'est normal que je sois habillée pareil que dans l'autre vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma Click and Fit, hop, comme ceci, du mois de. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de mois. C'est ma 21e, il me semble, 22e. Quelque chose comme ça, on va dire le petit papier. Ça se présente comme ceci. Alors, c'était déjà ouvert parce que ma soeur est trop curieuse pour attendre. Elle voulait voir ce que j'ai eu, donc elle a regardé. Donc, on en est à ma 22e box. Ça commence quand même à faire. Donc là, on a, hop, comme ceci, les planches de style, mais je vais pas regarder. Là, on a un lien de parrainage, ici, de 10 euros. Voilà. Là, on a, voilà, merci, etc., leurs réseaux sociaux. Là, on a, hop, le bon de renvoi. Voilà, je le cache parce qu'il y a mon adresse. Là, on a le papier, hop, avec tous les prix. Voilà. On a, l'enveloppe de renvoi. Comme ceci, je ne vous montre pas derrière mon adresse. Voilà, c'est une enveloppe basique. Hein. Et on a les, ah, les vêtements. J'ai vu des boucles d'oreilles. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est des boucles d'oreilles. C'est rare, je crois que j'en ai jamais eu dans mes Click and Fit. On va prendre l'étiquette aussi. Hop. Donc, c'est une taille unique. Ils appellent ça les anneaux blancs en or. Je vais les mettre à l'endroit. Donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous les verrez. C'est à contre-jour, mais bon. Enfin, vous avez dans l'idée quoi, c'est de la marque Lolo Yaya. De toute façon, vous les verrez porter après puisque je porte tout dans la vidéo qui suit. Donc voilà, on voit que c'est du toc hein, quand même. C'est pas de grande qualité. Alors pour le prix de ces boucles d'oreilles, elles sont à 16,99 €. Ah oui, quand même. Quand même. Bah écoutez, je testerai. Mais bon, d'habitude, je ne suis pas très fan de l'or, alors c'est vrai que là, mais bon, je peux toujours essayer. Donc, hop, je testerai. Ensuite, je vais mettre ça sur le côté pour pas me spoil. On a, hop, comme ceci, une jupe. Donc voilà, couleur vert qui tire sur le bleu, ou le contraire, le bleu qui tire sur le vert, enfin, vous avez compris. Un peu entre le bleu d'eau et le vert cacadois, un peu un mélange des deux quoi. Donc voilà. Donc ça c'est de la marque Vero Moda et c'est une taille M et elle coûte 29,99 €. Donc voilà. Derrière vous avez hop, une petite fermeture comme ceci et devant vous avez des poches. C'est une matière daim, enfin faux daim je pense. Je pense pas que ce soit du vrai. Fabriqué en Chine et j'ai la même, j'ai exactement la même mais en rose, rose un peu vieux rose que j'avais aussi reçu dans une Click and Fit. Donc celle-là je suis pas sûre de la garder, de toute façon je vais tout vous essayer après, mais je l'ai déjà donc à voir. Ensuite on a, hop, ceci. Donc c'est un haut qui se présente comme ceci. Attendez, hop, voilà. Donc c'est un haut, hop, comme ceci. Voilà, donc dessus vous avez des petits, je sais pas si vous verrez bien, il n'y a pas trop de lumière, mais vous voyez, vous avez des petits trucs en comment dire, en fer, même pas en fer, en petit métal, des petits poids comme ça. Les manches sont transparentes, hop, je sais pas si vous verrez, voilà. Après le dos est tout simple. Le haut, le devant est un col en V, comme ceci. C'est de la marque Villa. C'est une taille 38 et il est à 39,99 €. Et moi, je l'aime beaucoup.
après avoir porté, mais il me plaît bien. Donc celui-là, je vais peut-être le garder. Ensuite, on a un pull comme ceci. Donc je sais pas où est le dos. Pardon. Je sais pas où est le dos et où est le devant. Je sais pas du tout. On ira dans le truc après. Mais bon, c'est un pull noir basique. C'est vrai que des pulls noirs, je n'en ai pas. Ce qui est étonnant. Parce que d'habitude. Voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'il va être un peu court. Il n'est pas très très long. Je sais pas si vous verrez bien la taille. De toute façon, vous verrez tout après. Je vais tout porter. Les manches sont basiques. Voilà. Il est plutôt basique avec un petit peu de dentelle sur le devant. Comme ceci. Donc voilà. Donc ça, c'est de la marque Only. Attendez, je préfère l'autre étiquette si elle y est. Non, c'est pas grave. Donc c'est de la marque Only et c'est une taille M. Voilà. Et le prix est de 30... non, 34,99 €. Donc voilà. C'est à tester parce que si c'est trop court, je suis pas sûre de garder. Donc voilà. Et le dernier, oui c'est ça, puisqu'on a eu doré, du coup il n'y a que 4 vêtements. Le dernier c'est ceci. Donc c'est un bomber. Hop, comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Donc il est zébré avec des touches de doré comme ça par là. Par là, il y a des petits traits dorés un peu partout. Sinon le haut est piton, le bas aussi, le bout des manches aussi. Je suis pas très fan de ce motif pour vous mentir. C'est pas un motif que j'aime beaucoup. Mais bon, après à tester, c'est toujours pareil. Donc voilà. C'est de la marque Emma et là. Je vais dire Emma là, non. Emma et là. C'est une taille M et celui-ci, il est à 39 €. Donc voilà. Je suis pas sûre du tout pour celui-là. Donc écoutez, à tester. Donc voilà pour ma sélection. Donc si je prends tout, j'en aurais eu pour un montant total de 160,96 € avec une réduction de 20%. Si je garde les 5 produits, ça m'enlève 32,19 €. On enlève aussi les crédits de frais de stylisme qui s'élèvent à 4,90 €. Donc le total après la réduction est de 123,87 € si je garde tout, mais c'est pas sûr du tout. Donc écoutez, je vais tester et puis je vous reprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je vous reprends tout de suite pour les essayages. Donc, faites pas gaffe à mes chaussettes, c'est le royaume. Donc, je vous retrouve pour les essayages. Donc, le haut, voilà ce que ça donne. Je trouve très beau. Désolée pour mon miroir, il est sale. Donc, voilà. Je trouve qu'il est très beau, rentré comme ça. J'adore. Moi, je l'aime beaucoup avec le col en V comme ça. Je trouve ça très, très beau. Puis les manches, vous voyez, ça tombe pile poil quoi. De toute façon, c'était un petit peu retroussé sur le dessus. Donc... Et là, vous pouvez mieux voir les motifs. Vous voyez, c'est vraiment des petits pois en gris comme ça. C'est très mignon. La jupe, étonnamment, me va. J'étais un peu surprise. Parce que c'est vrai que je crois que l'autre est une taille L et qu'elle est trop grande. Celle-ci me va. Je sais pas. Dites-moi pour la couleur. J'hésite beaucoup pour cette jupe. Est-ce que la couleur me va ou pas? Voilà. Voilà pour la jupe. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle n'est pas trop serrée, mais elle est pile. En fait, elle me va pile poil. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de la jupe. Le haut, je pense le garder. J'aime beaucoup. Mais la jupe, je sais pas. J'hésite. Alors, je vous retrouve de nouveau. En fait, sur la petite fiche, hop, celle-ci, elle disait d'associer donc ces trois pièces ensemble. Donc le haut, la jupe et le bomber. Donc j'ai enfilé le bomber sur le haut. Je suis pas très fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, je suis pas très fan en fait. En fait, je trouve que ça fait beaucoup
de motifs, quoi. Zébré, à pois. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Le bomber, je pense pas le garder. J'aime pas trop trop, à vrai dire. Donc voilà. Après, il me va. Je peux le fermer, oui. Il devrait pas y avoir de soucis. C'est un bomber, quoi. Mais c'est vrai que les motifs, là... j'ai un peu de mal, là. Vous les voyez bien. Vous voyez, comme je vous disais, les petits traits en doré, etc. C'est vrai que j'ai un peu de mal. Après, il tombe bien. Les manches, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis dans l'hésitation. Donc, me revoilà de nouveau. Cette fois-ci, j'ai enfilé le pull. Donc, faites pas gaffe, je n'ai pas enlevé la jupe. En fait, la dentelle se met dans le dos. Je sais pas si vous verrez bien. Bref, se met dans le dos, c'était ce qui était indiqué ici. Voilà. Après, c'est un pull basique, je l'aime bien. Il tombe bien, j'avais peur qu'il soit trop court. Finalement, ça va, il m'arrive au niveau du pli de laine. Donc il est pas si court que ça, quoi. Donc il est pas mal. Hop, je l'aime bien. Je pense le garder. Les manches, c'est... comme j'aime, c'est bouffant, c'est... enfin bouffant, c'est un bien grand mot, mais elle tombe bien, c'est pas mal. Col rond comme ça, les élastiques qui ressortent, hop. Mais franchement, celui-ci, j'aime bien. Puis j'avais pas de pull noir, alors pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais celui-ci, j'aime bien. Le miroir est vraiment sale, par contre. Je sais pas si on peut voir les détails, mais bon, vous les avez vus dans la vidéo d'avant. Donc voilà. Donc voilà, me revoilà après les essayages. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé des essayages. On change de décor, c'est normal, mon téléphone est dans l'autre sens. Donc pour la jupe, je pense que je vais la renvoyer. Je sais pas. En fait, il faut que vous m'aidiez dans les commentaires pour me dire, mais je pense que la jupe, je renvoie. C'est la couleur qui me dérange. J'ai pas trop l'habitude de porter ça. Après, elle me va, elle est sympa. Je sais pas si je la mettrai ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça je pense la renvoyer. Voilà, ensuite, le haut noir, putain j'ai même pas remis les rangs, quoi. Non, mais n'importe quoi. Donc le haut noir comme ça, hop, je pense le garder. Je l'aime beaucoup, à vrai dire je l'aime beaucoup. Donc celui-là, je pense le garder. Le bomber, définitivement, je ne m'y fais pas, donc ça, je renvoie. Je pense, hein. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais ça je pense que je renvoie de toute façon, je pense que je ne le mettrai pas, donc ça ne sert à rien. Le pull, je pense le garder, le pull, j'ai bien aimé, donc celui-là je pense le garder. Écoute, il est très doux, etc. Et les boucles d'oreilles, j'ai pas essayé, mais je peux vous les passer rapidement si vous voulez. Mais je ne pense pas les garder, c'est pas le style que j'aime. Moi, je suis plutôt argent que or. Et puis, je trouve que ça fait cheap, quoi. 17 euros pour ça, franchement. Voilà, quoi. Je peux vous en passer une si vous voulez. Mais bon, 17 euros pour ça, franchement. Ça fait un peu mal aux fesses. Hop, je vais vous en passer une si vous voulez voir. Attendez, j'essaie de mettre dans le... les trous. Hop, voilà, les armoires. Voilà. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça va plutôt bien finalement. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais finalement, j'aime bien. Mais je ne sais pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce serait été encore mieux si ça serait été en argent. Là, j'étais sûre de les garder. Mais là, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, j'aviserai à ce moment-là. Je vous ferai un commentaire, je pense, épinglé pour vous dire ce que j'ai gardé ou pas. Mais bon. Voilà, quoi. Donc, ben voilà, je pense garder le haut noir, le pull. Le haut noir, vous savez, avec les pois là, et c'est tout, je pense. Le reste, je pense renvoyer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce
ce qui me va, ce qui me va pas, ce que vous, vous aurez renvoyé ou pas. Et puis, ben voilà quoi. On va se retrouver pour une nouvelle sélection bientôt. Et puis, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo bientôt aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.